Natalia, l'intermittente des vacances, était à deux doigts de pouvoir s'étendre sur la plage. Mais le mal sans pitié avait d'autres missions pour elle. Par exemple, une sombre histoire de capitaine pirate. Et bonjour et bienvenue sur Refuge et Joie. Aujourd'hui, nous allons commencer un DLC, Evil of the Caraïbes. Alors, c'est le deuxième du nom. Comment vous dire ça gentiment? Il est très très dur. Al bonjour de Relief. Talia, l'intermittent. Vacances paradisiaques. Talia était partie à Turtoga pour les vacances. Malheureusement, c'était sans compter le mal et ses exigences continuelles. Voilà. Très 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 dur ce passage-là. Je l'ai... En gros, là, ça va être la quatrième fois que je le fais. J'ai perdu deux fois. J'ai gagné une fois et j'ai fait le DLC de mon côté parce que je voulais savoir à peu près... ce qui m'attendait. Je vais lancer le chargement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-là? Être très rapide, piège, sort. Et trouver du pognon. Trouver du pognon, c'est surtout ça. Enfin en vacances. Et c'est du moins ce que croyait Talia en partant pour les rivages paradisiaques de l'île de Turtoga. Avec la bénédiction du mal, bien sûr. Eh oui, j'ai demandé la permission au chef et il a accepté. Ah, oh, je vais pouvoir laisser la mer me lécher les orteils et... Mais le mal avait ses raisons d'accepter, car il ne croyait pas en la pénibilité du travail. Ah bon ? Turtoga n'était pas seulement une destination balnéaire, mais un lieu réputé pour son rhum. Le mal avait hâte d'en boire un tonneau. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait... Mais Turtoga abritait toujours les héros les plus valeureux, qui étaient prêts à défendre leur sang jusqu'à la dernière goutte de rhum. Ou le contraire. Mais bon, prendre ce rhum n'allait pas être facile. On se demanda à qui le mal allait confier cette mission. Oh, c'est bon, j'ai compris. Les bains de soleil, c'est pour plus tard. Je prends la route du rhum. Et tu fais bien. Ce ne sont pas les habitants assoiffés de sang d'une île à pirates qui peuvent arrêter un touriste comme toi. Mais bon, les livraisons de rhum étaient déjà sur la route du port. Une fois une cargaison suffisante chargée à bord des navires, ceux-ci partiraient pour aller rassasier un mâle au palais desséché. Compris. Escortez les livraisons de rhum jusqu'au navire. Je n'ai plus qu'à construire un donjon. Voilà. Alors, nous allons... laisser un tout petit peu ici, déjà augmenter là. Nous n'avons pas de caisse. Oh, on va faire ceci. Nous allons ouvrir cela. Ouais, c'est très bien comme ça. Nous allons faire une zone à mana ici, avec double porte. Nous allons faire une cachette quelque part. On va faire la cachette ici. On va faire deux sur... toujours paire, 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 paire. Voilà. Voilà. On va faire les morbacs ici en mode bizarre. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est agrandi. Nous allons... Hop là. Ici, nous allons... Attendre. Allez, esclave, plus vite. Je m'en fiche. Voilà, voilà. Comme ça, je peux... Ah, dégage. Je peux faire ça. Allez, plus vite, les esclaves. Ah, moi, je... Là, je suis en mode torsionnaire. Hein. Voilà. Vite, on va faire ceci et cela. Parce que c'est obligatoire, là. Réellement, c'est obligatoire. La zone d'amana sera faite dès que j'aurai 8 caisses. Voilà, la cachette, on va en faire une toute petite... de base, on va faire du 2-2, voilà. Oh, une bonne ligne pour 3 PQ. Allez, plus vite.
Plus vite. Plus vite. Voilà, c'est bon, c'est bon. On a un petit filon ici, c'est tant mieux. On va faire comme ça. Ah mince. Oh non. Oh non. Ah ça c'est bête. Bon, on va faire comme ça. Non. Comme ça. Puis on va creuser là et puis on va reboucher. Plus vite. On va faire en sorte que nos ennemis mettent un peu plus de temps à venir. Parce que ils le valent bien. Là, une nouvelle. Voilà. Bah oui, 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 oui. Voilà, 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 voilà. Ah, j'avais dit la salle de mana ici. Mais pour l'instant, pas de mana. Ici, nous allons la faire en sorte qu'ils aillent tout droit. En zigzagant. Pour qu'ils ne m'embêtent pas trop. Voilà. Et là. Là. Ça va être un peu plus long que d'habitude, mais bon. Mince, dégage. Il me faut un petit cimetière pour. Bah, le cimetière, il va se faire. Jour de paye dans 15 secondes. Si tu veux. On va prendre le mana ici, l'or là. Et je sais très bien qu'il n'y aura pas de piège. On va juste creuser là pour gagner l'argent. Voilà. On va également reboucher cette zone. Dès qu'ils voudront. Là. Les héros de Turtoga étaient fous de rage. Dès qu'ils avaient appris que les touristes cherchaient à embarquer leur rhum dans un navire appelé la Perle Noire, ils s'étaient mis en route pour leur donner une leçon. Non. Ils n'allaient pas tarder à trouver le donjon. Non, non, non. Pas de problème. On leur fera prendre la planche. On les jettera aux requins. On leur fera faire les pluches. Je sais pas qu'est-ce que c'est, les pluches. Je suis pas marin. Je peux pas savoir. Je récupère l'or. Ça me permet d'avoir un peu de sous. Jour de paye est passé. Je vais leur invoquer ça. Je vais également monter le nombre de. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. J'ai pas eu le temps de tout faire. C'est pas grave. Me serais-je trompé? Voilà. Ben, je veux que vous fassiez en sorte que ça monte, c'est tout. Voilà, voilà. Ah, c'est pas du champagne. Je suis qu'à 3 caisses et je voudrais en avoir beaucoup plus. Et ça va. Ah, ça va. Plus tard. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose par là parce que j'ai pas creusé par là. Là, oui, on va faire ça. Hein. Pour avoir de l'argent, du pognon.
Je le connais pas par cœur, non. Non, 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 parce que connaître par cœur l'emplacement, je trouve que c'est pas rigolo. Le rhum était déjà empaqueté et prêt à être livré à la Perle Noire. Talia et ses hommes de main devaient faire de leur mieux pour protéger ses livraisons. Le mal n'est pas le genre d'individu qu'il faut mettre en colère. Ça fait de l'XP. Et du mana. Je te rapproche de chez toi. Ça, tu vas dormir, la petite Élise. Voilà. Je voulais me faire un deuxième orc. J'adore quand ils tombent, les orcs. Poum. Voilà. Je vais prendre un couillon pour le mettre là, parce que je veux qu'il travaille là. Voilà, c'est bien. Sans mana. Avec sans mana. Ouais, ça ira. Ça y est. Voilà, on va laisser encore la banshee pour qu'elle se repose. Les autres vont aller dehors pour commencer un tout petit peu déblayer le passage, parce que sinon le cheval il va avancer ici, parce que c'est un cheval là, qui va. Bon, une fois on les protège, les chevaux. Bon, une fois. Et la soigneuse, vous oubliez? Voilà. En gros, la faculté d'un assassin, c'est se faire toujours attaquer en dernier. C'est comme la faculté du gobelin. C'est exactement la même faculté. Voilà, encore un tout petit peu pour les boîtes. Il restait un point de vie, bon bah c'est mort. C'est toi. Demi-tour, parce que je vais me faire attaquer. Jour de paye. C'est dommage. Voilà. Porc, il se prend. Ça. Le mal. Voilà, on va tous les mettre là. J'ai pas eu de temps. Je vais juste faire ça pour enlever les travailleurs. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Voilà, gentil. Ils vont faire dodo. Deux assassins. C'est des roublards. Hein. C'est pareil. C'est assassin, roublard, c'est pareil. Hein. Là, ça va, hein, t'as pas mal d'argent. Pff, c'est pas suffisant. Vraiment, c'est pas suffisant. Hey, pas les pattes. Bah, c'est pas les pattes, pas les pattes. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je crée en plus. Je vais peut-être créer une autre banshee. Bah, j'ai suffisamment d'argent. Voilà. Aura. Aura dehors. 3 minutes, c'est encore faisable. Les fleurs de contrebande se poursuivaient et de plus en plus de turtogans furieux se dirigeaient vers le donjon. Laisse-moi respirer, il me faut de la malfaisance. Là, tu es moi ça.
Je viens juste de voir que je me fais attaquer par derrière. Il me faut absolument des portes et des... de la malfaisance. Il me faut énormément de malfaisance. Et on va tous les faire rentrer parce que trop mal. Si tu veux, zombie, hein. Si tu peux, ne serait-ce que... la tuer, ça serait gentil. Voilà, super. Bravo. Il me faut du mana. Je fais ça parce que je réfléchis si je fais pas la salle de bain ici. Comme ça. Des vers se baladent dans votre donjon. Écrasez. Génial. Génial. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. J'ai suffisamment de caisses. La route du Rhum restait décidément bien fréquentée. Ok. J'ai vu. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même ça au cas où ça m'attaque. Hein, Donne. Voilà. Dites-moi ce que je dois faire. Encore du rhum. Sois belle et tais-toi. Voilà, c'est vraiment, vraiment pour avoir du mana. Que voulez-vous que je fasse ? J'ai perdu un gobelin, c'est pas bien. J'ai pas vu. À toi. Oh mince, non, re-rentre. Tire-toi. Repose-toi. Voilà, en gros c'est ça. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Voilà. Ils pensent que je vais réussir à faire tout ça. Voilà. En quelques temps. Pour l'instant, j'ai pas les pièges et j'ai pas la boule de feu qui a 250 malfaisance. Direction le champ de bataille. Et il faut que j'aille vite parce que là il va avoir le passage. Allez, allez. Jour de paix. Mon fichu jour de paix. Boum! Ça c'est fait. La douane de Turtoga eut également vent de la contrebande et envoya ses agents dans le but de stopper la livraison. Attaquer les camps des douaniers pourrait bien les empêcher d'agir. Fous de moi. Je vous jure, ça fout de moi. Alors, allez hop. Le mal, c'est toi. Voilà. On attaque une livraison de robes. Cours.
Oublie. Non, c'est bon. Allez, cours. Courez, courez, courez. Je sais plus s'il y a quelque chose par là. Mais on va dire que... Ouais. Ça va. 250, c'est ce que j'avais dit. Et il me faut 200 pour les pièges. Voilà. Non, bah au final, le cheval va avancer tranquillou pilou. Je me rappelle qu'il n'y a plus rien ici. Donc autant en profiter pour aller au plus vite. Nous allons faire du... La grotte du bricoleur ici. Nous allons refermer ici. Parce que voilà. Et si je me souviens bien, il y a un filon par là. Voilà. Il me faut ça. Je vais leur demander d'aller. La maison de Rome avait atteint la perle noire et fut immédiatement mise à l'abri. Le mâle en tituba de joie. Ouais. Il est content, le mâle. Voilà. De toute façon, je l'avais dit. C'est un bon souvenir de ma part. Voilà. Super, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je viens juste de voir qu'il y a de l'or par là, mais on va voir, on va voir. Là j'ai trois. Oui, trois filons. Pas. C'est pas suffisant. Réellement pas suffisant. Allez, plus vite. Là, il y a un peu d'or. C'est lequel, là? Allez, plus vite! Voilà. Vu! Et d'ailleurs, on peut faire ça. Alors, ce que je vais faire, ça va pas être très rentable parce que la porte va être cassée très souvent. Plus de caisse. Ouais. Mais ça va ralentir. Et ça, c'est le plus important. Allez! Plus vite, fous-moi des caisses. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? Ce qu'on peut faire, déjà, laisser le... Il est où mon gobelin? Il est mort? Oui, bon bah, il est de nouveau mort. Hop, hop. Voilà. Et sors, sors. Dépêche-toi. Voilà. Pour les bons bois. Voilà. Yeah. Et je suis bête, hein. J'ai mis quand même un portail. C'est pour que j'aille plus vite. Qu'est-ce que je fais? Je l'utilise pas. Bon, c'est pas grave. Au moins, l'argent, la malfaisance va monter petit à petit. Surtout que maintenant, j'ai la boule de feu. Très important, la boule. Voilà. Il y a garde de pierre, c'est pas grave. On va faire la boule de feu, d'ailleurs. Voilà. C'est réellement pour essayer d'avoir plus de malfaisance que possible. Jour de paix. S'en fiche. Voilà. Oui. Parce que le garde de pierre là il fait mal, il a trop de mal de points de vie. Voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, est-ce que. Non, je peux pas.
Ils ont trop mal. Les pièges ne ont pas été faits. Pourquoi ? Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Parce qu'il a préféré dormir. Il n'a même pas fait la moitié. Tout le monde est rentré. Voilà. Je le sors du combat, mais il va gagner quand même de l'XP en faisant ça. Voilà. C'est bon, tout le monde est là. Hop. Direction, là je peux, peu importe, hein, je mets tout le monde ici. J'ai 8 caisses, avec ces 8 caisses, je vais faire 2 attrapes, j'ai pas envie de dire Nigo, mais voilà. Super, si je le tape, il va dire je vais me soigner. Super, j'ai 500 malfaisance. La crypte. Le truc anxiogène. Le truc anxiogène, on va le foutre ici. Oui, on va faire comme cela. Là, il commence à avoir trop de trous ici, donc je vais faire une porte ici, ça va permettre d'avoir un bon 70% ici, parce que ça commence à être long. Pour aller plus vite au niveau des fabrications, voilà. Tout le monde à Turtoga a été fou de rage. Non, personne. D'après la rumeur, les réserves de Rome étaient au plus bas. Non. Des foules de plus en plus grosses se dirigeaient vers le voleur. Non, vous m'oubliez, je suis gentille. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà. Est-ce que j'ai un ou deux pièges ici ? Aucun. La route du Rhum restait décidément bien fréquentée. Je sais bien. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà. Inutile, ma boule de feu. Inutile. On va faire ça ici. Pourquoi ici ? Parce que... Voilà. Et dans 13 secondes, on va laisser juste la Banshee ici, parce que trop bobo. Oui, c'est du français. Une cargaison de rhum était en route. Et je vais laisser lui dedans. Pourquoi ? Parce que comme ça, il va travailler, hein. Parce que je veux qu'il travaille. Voilà. Ah, j'ai quand même ça. Oui, c'est bien. Bravo. Je veux... Allez, plus vite. Ah mince, je croyais que j'allais l'avoir fait 6 sur 6. Oh, c'est pas si grave. Allez, le cheval. T'avances, t'inquiète pas, je te protège. C'est compliqué, mais oui. Nous allons augmenter le nombre de créatures que je peux faire. Parce que j'ai envie d'avoir plus de créatures. Je veux une niche. Un orc. Je vais les faire sortir. J'ai vu qui va, l'attaque. Voilà. Je vais faire la crypte ici.
Je vais juste faire ça. On doit en profiter pour mettre un rosseur ici. Je vais récupérer tout le monde. Voilà. Hop, ça permet de soigner. La crypte, voilà, la crypte ici. Afin de ne pas perdre mes bonhommes, autant que en profiter. Là, je ne sais pas combien j'en ai perdu, mais peut-être 4. J'ai vu que... Jour de paye. Que, bah ça va être mort. C'est pas grave. Votre portail se fait attaquer. Ah, même pas ? Ils sont passés à côté ? Voilà, ça c'est fait. Ici. Il manque... Votre rame se fait attaquer. Non. Non. La preuve que non. Voilà. Je vais laisser mes alliés ici. La liche, tout ça. J'ai suffisamment de mana. Je vais prendre tous ceux qui sont en bas. Je vais toujours laisser le couillon là parce qu'il a bobo. Je vais prendre le renfort. Ils sont bien, ils bougeront pas. Tant que je viens pas les enquiquiner, ils bougeront pas. Avec ça, c'est l'heure de recycler les déchets. On va faire ça. Et on va essayer de détruire juste le camp. Pas besoin de détruire ça parce que t'as Voilà. Les armées du mal avaient conduit jusqu'à la planche les douaniers d'un camp. Voilà qui allait apprendre la vie à ces fonctionnaires plus sensibles à l'intérêt général qu'au libre-échange du rhum maléfique. Voilà. C'est fait. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ah ah! Ah non. Ah ah! Ah! Bien! C'est bon, tout le monde est là? Une livraison de rhum avait atteint la perle noire et fut immédiatement mise à l'abri. Le mâle en tituba de joie. Oui, si tu veux. Hop! Hop! Et normalement, ça fait une demi-heure que je suis avec vous. Et je pense que je vais vous laisser après cette attaque. Allez, allez, dégage. J'ai 900 en ma faisance. Nous allons faire ceci. La succube. Par tous les démons, qu'est-ce que c'était que cette blague? Quelqu'un venait-il de hurler « Libérez le Kraken !» Voilà. En tout cas, deux puissants bras de pieuvre venaient de surgir des eaux et de bloquer une route. Et livraison de Rome allait devoir trouver un autre passage. C'est pas gentil. Vraiment, c'est pas gentil. Je fais juste ceci. C'est pour construire la salle de torture. Oui, bon. Je cherchais le mot alors que réellement. J'ai pas besoin d'expliquer que là. Je suis en galère. J'essaye en tout point de faire le meilleur que possible. Voilà, je vais faire ça parce que les dadons, au bout d'un moment, vu que j'en ai que 18. Oui, que 18. je vais devoir bientôt pas agrandir, mais faire des OGM. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des vacances paradisiaques, alors que c'est cauchemardesse, hein, parce que voilà, c'est vachement dur. Je vous dis à la prochaine. Allez.